La saucisse au foie peut rancir en une nuit. Parce que si c'est le cas, on ne dirait absolument pas au goût. Qui êtes-vous? Bonjour, Archie. Salut, fillette. Tu le connais, ce type? Sergent Archibald Sparks, voici Dick. Vic. Vic Trowbridge. Bonjour, Vic. T'as appelé ce gars-là hier soir pendant que j'étais sous la douche? Archie, est-ce que je vous ai appelé hier soir pendant qu'il était sous la douche? Non, fillette. Non, au contraire, comme à votre habitude, vous vous êtes bien fait désirer. D'accord, parce que je ne veux pas qu'il ait de malentendu. Qui êtes-vous, on peut savoir? Police militaire. Unité spéciale de recherche des déserteurs. Meredith Cole. Déserteur sur le point d'être appréhendé. Tu es soldat? Faut le dire vite. Habillez-vous, caporal. Oui, sergent. Hé! Chérie, Vic, tu voudrais nous faire du café? Du café? Tu peux aller te faire foutre. Ah, c'est ce que j'ai fait toute seule hier pendant que tu te douchais. Je ferais mieux de me rhabiller. Excellente idée. Où est-ce qu'elle vous a ramassé? C'est moi qui l'ai draguée. C'est la nouvelle serveuse de chez Amy Sons. C'est mal fréquenté. Elle m'a demandé de la raccompagner. Elle est maligne. Elle savait que je la cherchais et elle n'avait pas d'endroit où dormir. Pourquoi elle a déserté? Qu'est-ce qu'elle a fait? Shut your eyes, let your world fade to darkness. You could be the one to save the things I thought I'd for sure forever lost. Skip right out of my goddamn heart. Your caution, he's screaming cause the needle is following him. Don't you know that's the nature of the show? The needle will follow and wake you and take you right back. You tried so hard to leave. If you don't really mean what you say, then why should this make the skin go away? There's no need to shout. No one here is gonna doubt you. Fix your eyes on the sun, on the sky, on the ceiling in your room, and the shame that shines on through. And oh my God, I'm sweating it out again. Been taking it out on you. The summer's here, it's closing in. Your lips are closing in on me. And I just don't think I'll ever make you see. So I hope you really mean what you say. 'Cause my skin's just about to give in. It's crawling with doubt, screaming right at me all day. You got your shine, girl, and I got my shame. Together we're killing it. We're gonna make it all. We're gonna make it disappear. So shut your eyes. Let the world fade to darkness.
you could be the one to say the things I thought of for sure. Forever lost. Oui, oui, bien sûr. Merci les gars de m'avoir dépanné. C'est rien. Et surtout, salut tes parents. J'espère que ton père va guérir. Oui. Passez un bon Noël. Au revoir. Merci. Ce haut-parleur aurait dû être réparé il y a quelques heures. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut que tout aille à volo. Oh, Danny. Passez un joyeux Noël. Pour moi, Noël, c'est dans 9 heures. Il y en a qui prennent leur travail au sérieux. Ça fait drôlement plaisir. Ella, Ella, éteignez ça! J'ai une nouvelle pour vous. C'est pas un motel ici. Allez, juste un petit dernier pour la route, capitaine. Il y a ça aussi. C'est pas que vous le méritiez. Une petite prime pour Noël. Comprenez? C'est votre prime pour Noël. Vous croyez que je vous vole? El paso Juarez, por favor. C'est un billet que vous voulez? Si, uno. Ça y est, j'y suis presque. Ça va, ça? Vous croyez que... Là, c'est ça. Est-ce que vous avez du papier cadeau ou du ruban de Noël? Vous savez, ce genre de truc. Une carte de Noël. Salut, Polly. Ton café est meilleur qu'hier, j'espère. J'en prends une tasse, de toute façon. Avis à tous les passagers, le car à destination d'El Paso, Deming, Lordsburg et Tucson est prêt à partir. Non, 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 chérie, je te promets, je serai là avant que tu te réveilles. Dis-lui que c'est Dorothée qui s'en occupe. Et elle a raison, pas de glace à la fraise au dîner. Merci beaucoup, monsieur. Chérie? Bordel! Foutu bagnole! Ta ferraille! Merci. Hé, hey mec! Attendez votre tour. Je voulais savoir si ce car s'enfonce dans le Texas profond ou s'il va jusqu'à la frontière. Les renseignements, c'est à l'intérieur. Écoute, mec, je t'ai dit... Putain de Texas. Trésor? Quoi? Non, il peut pas t'apporter de chien, le Père Noël. On en a déjà un. Je sais qu'il sent mauvais, mais bon, parfois les chiens mâles ont une odeur forte, c'est tout. Attendez! Attendez! Je te rappelle plus tard, Minette. Je t'adore. De justesse. C'est une habitude chez moi. Ah, alhamdoulilah. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle Daniel Gunn, je serai votre conducteur jusqu'à Tucson. Prochain arrêt, Peccadillo, au Texas. C'est à 6 heures d'ici. Vous n'avez qu'à regarder le paysage, vous détendre, et vous passerez un bon réveillon. Thank you.
oui, ça sent bon. Tenez, c'est notre ligne élégance. Lavande ? Ça va s'ils se douchent dès leur arrivée à l'hôtel. Mais s'ils attendent jusqu'au matin, il leur faut quelque chose de plus citronné, de plus... Poivré ? C'est ça. C'est pour ça qu'on a créé Poudre d'Or. Intéressant. Oui, c'est chouette. C'est pour mon fils, Stevie. C'est un bon cadeau de Noël. Vous trouvez l'idée un peu bizarre ? Non, mais je trouve que vous avez fait vite. Ouais, on peut le dire, c'est vrai. Je suis toujours en retard et... Vous avez acheté des piles au moins ? Du moment que le jouet fonctionne, le reste, c'est pas important. C'est elle ? C'est elle. Elle est montée dans le bus une heure avant que l'alerte ne sonne. J'aurais pas cru que l'armée se donne autant de mal pour ces gens-là. Non, la plupart d'entre eux se rendent ou ils se font arrêter pour de grosses bêtises. Brûler un feu rouge, voler dans un magasin. Et notre Cendrillon ? Son grand-père est sénateur. C'est pas cool. Si on la retrouve pas, c'est pas cool. Le grand-père est un vétéran ? 4 fois médaillé. La brigade a Dick Cheney. Pourquoi elle s'est enfuie ? C'est important. Vous savez, c'est le réveillon de Noël, sergent. Vous en donnez du mal pour cette fillette. Je déteste la bûche, vous savez. J'en ai horreur aussi. Mais c'est triste de passer le réveillon tout seul. Vous êtes en permission depuis longtemps ? Excusez-moi ? Vos chaussures. Vous étiez où en Irak ? Vous croyez que je suis soldat ? Alhamdoulillah. Vous êtes dans l'armée ou quoi ? Section des conducteurs internationaux. 9 mois à Bagdad. Vous appelez, on est là. Vous avez fait les 12 ? C'est quoi les 12 ? Les 12 kilomètres jusqu'à l'aéroport de la capitale. C'est le tronçon de route le plus dangereux du monde. Là-bas, le conducteur du car, c'est Mad Max. Très bien, accrochez-vous. Ça va aller. Vous avez vu leur patch ? Leur patch ? Les couleurs de leurs gants, leurs insignes. Je n'en ai vu aucun. Dehors la loi ? Cool. Qu'est-ce que ça veut dire, dehors la loi ? Ce sont pas dehors la loi, non. Ce sont des nomades. Ok, ça veut dire quoi, ce sont des nomades ? Ce sont des suppôts de Satan. Est-ce qu'ils ont fait demi-tour ? Non ! Ça va aller. Le coup a été rude, mais là, c'est terminé. Il n'y a plus de soucis à se faire. Hé, hey, faites gaffe! Vous allez venir avec moi. Les autres, restez assis. J'entraîne une équipe de foot. Je suis secouriste professionnel. Eh,
Allez voir l'autre. Je n'ai pas de réseau. Est-ce que quelqu'un a du réseau? Aucun signal. 9 mois en Irak. J'ignore le nombre d'amis que j'ai perdus là-bas. Dire que j'ai survécu. Hé, ça va aller, vous entendez? Ça va aller, on va chercher de l'aide. On va aller chercher de l'aide. Lâche cette arme! Il faut y aller! Où sont les clés? Les clés, il a pris les clés! Duke, il revient! Ça va? Moi, oui. Prends ça! Enflure! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, viens vite! Au secours! Oh mon Dieu! Appuie sur sa blessure! Qu'est-ce qu'il faut faire? Appuie sur sa blessure, allez, vas-y! Oh. Allez, enfin, dépêche-toi! Oh, puis-je te dis! Oh mon Dieu! Putain, où sont les clés? Où sont les... Oh non. Je crois qu'il vaut mieux remonter dans le car. Vite, on y va. On s'en va. Vite, vite. Dépêchez-vous les gars. Accrochez-vous tous! Attendez! Il faut attendre Duke! Ça refuse de démarrer! Aki! Attendez! Attendez-moi! Écoutez, je sais que c'est un vrai salopard, mais il faut qu'on l'attende, vous entendez? Non, on l'attendra pas! Attendez! Vas-y, cours! Attendez! Attrape ton bras! Ferme la porte! Oh! Oh, Dieu merci! Bébé! On en parlera tout à l'heure. Je suis désolé. Walter Lindley. Monsieur Lindley, vous conduisez 20 tonnes d'acier. Utilisez-les. Oh mon Dieu. Quelqu'un a des connaissances médicales? Est-ce que vous avez des pansements? Attendez, non. On n'en a plus besoin. Moi, si. Il faut stopper l'hémorragie. Quelqu'un du tissu ou de la gaz? La blessure est superficielle. La balle a effleuré les côtes. Quelqu'un aurait un putain de tampon! Oui, oui. Tenez. Merci. Oh mon Dieu! Il faut me penser.
très serré, ok? Il casse les vitres pour entrer! Il vient de tirer sur le moteur. Il y a quelqu'un qui a un portable. Il faut appeler la police au 911. Mais j'ai essayé. Mais il n'y a pas de réseau. Putain de Texas. Il y a peut-être une radio dans le car, non? Elle ne marche plus. Fais chier. Faut qu'on quitte cette route. Ils nous feront la peau si on s'arrête, vous entendez? Ils nous feront la peau si on s'arrête. Là, il y a un embranchement. Peut-être que là-bas, il y a une ville. Je ne vois aucune ville. On tourne à gauche? On quitte la route? Vous attendez quoi? Attention! Je le savais! Cette route-là, c'était une mauvaise idée! Tu préfères retourner là-bas, chérie? Et toi, tu veux que je vous expédie par la fenêtre, toi et tes fesses? Nos amis vont bien s'en occuper. J'ai plus d'arguments que ce que vous croyez. Rangez-moi ça. Le coup. C'est pas cul-de-sac, il y a un portail. Défoncez-le! Défoncez-le! Tenez bon! Ils nous ont eu les salauds. C'est ça, foutez-moi le camp! Sans issue.
Dis, lapin! Moi, c'est Duke! Surveille l'arrière, s'il te plaît. Il vaut mieux que je le fasse! Entraîneur, comment tu t'appelles? Yarbrough. Jerry Yarbrough. Il te reste combien de balles là-dedans, Jerry? Je peux voir? Hé, hey Yarbrough, tu devrais lui montrer. Elle est soldat. Non, ça fait rien, c'est mathématique. Cette arme contient 13 balles. Après que le type ait rechargé, il a tiré une fois sur lui, une fois en l'air et une fois sur toi. Il en reste donc 10. Il m'a pas tiré dessus, moi. Si, il a tiré. Je te dis que non. Regarde ton col. Toi, tu as tiré 4 fois avec ce flingue, Jerry. Tu as gâché 40% de nos munitions et tu n'as touché personne. Pendant qu'on faisait la barricade, il nous a fait gagner du temps. Tu devrais me donner ce pistolet. T'as qu'à essayer de t'en trouver un. Attendez, on dirait qu'ils s'en vont. Peut-être parce que vous leur avez tiré dessus. C'est ça, fous le camp, connard! Ah ah, les nomades, c'est pas leur genre. Qu'est-ce que tu dis de ça, soldat? Ce gars-là n'est pas en train de s'en aller. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, alors? S'il est parti, c'est pour chercher ses potes. Donne-moi le tournevis. Alhamdoulilah. Quoi? Non, c'est... C'est rien. Un téléphone. Et merde! Ça va? Ouais, ça va aller. Enfin, mis à part le fait que... Mis à part le fait qu'on m'a tiré dessus. Parle-moi de ton fils. Il s'appelle Stevie, hein? Quel âge a-t-il? 4 ans. Il a 4 ans. Et il aime les armes à feu? Comme celles que t'as achetées dans la boutique? Ouais, il aime les... En fait, je ne l'ai... jamais vu. Je sais pas. En fait, t'as qu'à demander à tous ceux qui m'ont donné un travail. En tant que personne, je... Je vaux rien, je te promets. Quand Carole est tombée enceinte, je... Tu as fui? Ouais, très loin. Et
Et tu retournes là-bas aujourd'hui? Carole aime les surprises à Noël. Ouais, elle et son nouveau mari savent que je viens et j'ai un petit cadeau pour eux aussi. Qu'est-ce que c'est? Je vais rentrer au pays. Et ton nom? Sam Cutter. Meredith Cole. Je ne peux même pas envoyer de texto. Ils sont assis là. Qu'est-ce qu'ils font? Et... oh. Tiens, j'ai un produit pour l'enlever. Tiens, regarde. Oh. Va, mange. Ahora! J'ai... moi, c'est Maud. Annabelle. Annabelle? Voy a encender las luces. Espera, espera. ¡Ya! ¡Mierda! Las luces. Regardez-les, ces mecs en train de courir partout. Il faut penser à des cafards. Pense à t'accroupir, lapin. Ben, tire pas sur les lumières, c'est déjà ça. Ils gardent leurs munitions pour nous. Con esto... ah, sí. Hé, je peux avoir la torche? Ouais. Merci. Surveille l'entrée. Mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, me laisse pas mourir ici. Miren, 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 miren. Con esto podemos hacer un cañón. ¡Un cañón! ¡Pum, pum! ¡Para defendernos! Je suis désolée, je ne parle pas espagnol. Tu parles espagnol? Non, j'y comprends rien. Oh, je suis désolée, j'aurais dû l'apprendre à l'école. Lo que necesito es algo para que funcione. Para encenderlo. No, no, no tienen algo... oh, de la peinture, oui. Ay, no me entiende. Déjeme ver, déjeme ver. No, no lo tiene. Oh, ¿vous voulez ça? No, esto no tiene nada. Yo lo busco, yo lo busco. Esperen, esperen. J'ignore ce que vous êtes en train de faire, mais continuez à le faire. Tu pourrais quand même nous aider. Ah, tu veux que je t'aide, mon chou? Ok. Quand tu construis une barricade, faut éviter de le faire avec des trucs qui explosent. Ça t'aide, ça? Elle est énervée. Non, tu crois? Tu sais que t'es vachement perspicace, toi, comme mec. Tiens. Contre la douleur. Merci. Thank you.
Je crois que j'ai eu un mec! Tu l'as pas eu. Il s'est barré, ensuite il est allé se planquer. Est-ce que tout le monde est encore là? Silence! Sam? Ouais, on est là. L'entraîneur? Ouais, toi, ça va. Lapin? C'est bon, ça va. Sheena? Elle s'appelle Désirée. Tu vas la fermer, Lapin. Ça va, ouais. Ils sont combien en tout? Regardez ce que j'ai découvert. Là, il y a une cachette. Venez, on monte. C'est sinistre ici. Moi, ça m'inspire. Sois prudente. Ouais. D'accord. Juste là. Qu'est-ce qu'ils font? Là, tu vois ces vieux frigos? Ils vont sûrement se mettre là derrière. Comment tu le sais? Moi, c'est là que je me mettrai. On est à l'abri, ils font feu sur notre barricade et ils donnent l'assaut. Tu t'y connais en chasse, Annabelle? Société d'archerie des elfes noirs. Quoi? En fait, je suis classée en archerie. As-tu entendu parler du mythe de l'Alliance? Les conventions de jeux vidéo, tout ça? Tu veux dire ces fêlés qui courent dans la forêt habillés en moyenâgeux? On n'est pas très différent des fêlés qui se déguisent en soldats sécessionnistes et qui se tirent dessus, mais oui, c'est vrai, c'est ça l'idée. En fait, j'allais en Californie pour un tournoi des elfes noirs, une compétition. Donc, le truc de l'archerie, c'est... Ouais, c'est un arc, c'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai mis dans le car avec le reste des valises. Et toi, tu es un elfe noir classé, quoi? Oui, mais ça veut dire que je fais de la compétition, je ne tire pas sur des personnes, des humains. Mais une chose est claire, d'accord? Ces gars-là sont des animaux, ils n'ont rien d'humain. Viens, on va chercher ton matériel. Hey, ça va, mon pote? Je suis désolé. Je te laisse tranquille. Et passe d'excellentes fêtes de Noël. Dis bonjour à Madame Folding et à tous les autres fêlés du coin. Combien? Merci. On en a compté 7. Qu'est-ce qu'il faisait? Ok. Nous, on est là. On n'a qu'à les appeler Raka et Grolard et Acrobate. Ils sont à côté de cette grange. La frisée est là, au milieu des frigidaires. Ici, Barbu, Grizzly, et là, celui qui surveille la route entre ici et le portail, c'est... Tu en oublies un. Cupidon. Il est reparti chercher de l'aide. C'est bizarre qu'il n'ait pas mis le feu. Ils ont peur. Le feu, ça se voit très loin. Non. Ils attendent que le reste de la bande arrive. Ils veulent nous partager. Tu les connais, ces connards? Un de mes ex était motard.
Il m'a dit que ces nomades, c'est comme des sauterelles géantes. La plupart de ces types se chouent toute la journée au méthylène. Ils s'installent dans un endroit, ils en tirent tout ce qu'ils peuvent. Nourriture, combustible, argent, même les femmes. Puis ils s'en vont. Écoutez, mon mec, c'était pas le genre à couiner. C'était un dur, un vrai. Il avait peur de rien. Mais ces nomades, rien que d'y penser, il était mort de trouille. Il faut se défendre jusqu'à ce que l'aide arrive. Ils se fatigueront avant nous. Ouais, il y a bien quelqu'un qui viendra nous chercher, non? Non. Écoutez, Picadillo devait être notre prochain arrêt. Et... quand ils verront qu'on n'arrive pas, ils viendront nous chercher, on peut tenir jusque-là. Est-ce que vous voudriez m'écouter une seconde? On tiendra pas deux minutes. S'ils donnent l'assaut, on est tous morts. Tu préfères le car? Parce que l'étudiante et le type sans cheveux, ça s'est super bien terminé pour eux. Et c'est à cause de toi qu'on a choisi cette route, alors ta gueule. On peut et tenir. Vous allez fermer vos sales gueules, putain! Pardonnez mon langage. Mais Picadillo n'était pas un arrêt officiel. Si on n'arrive pas là-bas, ils vont penser qu'on s'est arrêté ailleurs pour manger et prendre de l'essence. C'est El Paso, notre prochain arrêt officiel. À 600 km au sud. Ça veut dire qu'il faudra encore attendre 6 heures avant qu'on s'inquiète de nous. Et d'ici là, Cupidon et tous ses copains motards seront revenus pour nous assassiner. Bon, ben toi, quelle expérience, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une gamine. Elle a dû récurer les latrines, c'est pas ça être un soldat. Alors dis-nous. Je te l'ai déjà dit. Ne pas céder. C'est supposé être quoi, un souffleur de feuilles? Aquí abajo. Il est taré, le pauvre mec. Et qu'est-ce que t'as bien pu lui trouver? Il me faisait rigoler. C'était intentionnel? Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Quelquefois, je dessine, je fais des caricatures pour gagner un peu d'argent, je fais de l'illustration, tu vois? Et je peux voir? Oh non, c'est rien, seulement... Si, si, montre-moi tes dessins, s'il te plaît. Non, c'est rien de très important, ce sont des gribouillages sans queue ni tête. Un plan du pays? Où est-ce qu'on est? Ici? Dans le trou du cul du Texas. La prochaine ville est à une centaine de kilomètres. Non, non, attendez, attendez. Il y a une route au sud. Elle n'est qu'à une trentaine de kilomètres d'ici, à tout casser. On devrait... Tu veux que quelqu'un fasse 30 kilomètres dans cette campagne sur une ligne avec une carte d'écolier? Si ça se trouve sur cette route, il ne passe qu'une voiture par mois. Et qui c'est qui va courir? Moi. Je cours. Le jogging entre l'école et le supermarché, ça compte pas. Je cours dans des marathons pour le cancer du sein, pour la leucémie, je cours bien. Dans la rue, en plein jour et avec des gens sympas qui vous donnent de l'eau. Ici, on est dans un endroit incompatible avec les fanfreluches et les talons aiguilles. Vous me prenez pour une idiote, monsieur Yarbrough. Vous croyez que je ne le sais pas, tout ça? Je pense qu'on peut les battre. Non, on ne peut pas rester ici à attendre. Il faut que quelqu'un aille chercher de l'aide, c'est moi qui vais y aller. Je vous dis que... Lâchez-moi. Tu devrais apprendre à maîtriser ta colère, Jerry. Je pense qu'on peut les battre. C'est ridicule. Comment je vais faire pour échapper à ces crétins? Non. Non, Sam, c'est pas une bonne idée, ça. Je suis incapable de tirer sur des personnes. Je suis pacifiste, c'est... Un arc et des flèches, Sam. Comme Robin des Bois.
Robin des Bois n'avait pas affaire à une horde de psychotiques shootés à l'acide. Tu crois qu'Annabelle peut y arriver? Elle peut essayer. La nana est toujours dehors? Non. Elle est partie. Allez, accélère. Sam, regarde autour de toi. Sam, fais attention. Je t'en prie, arrête tes conneries. Tu crois qu'ils m'ont vu? Qu'ils t'ont vu? Tu as montré à ces connards comment on rentrait? Tu nous mets en danger, et pourquoi? Pour ça? C'est un talkie-walkie, je me suis dit que ça nous serait peut-être utile, ça, enfoiré. Et vous deux, ça suffit. Pourquoi t'as rapporté mon sac de voyage? Je me suis dit qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes, juste une idée. Là-dedans, il n'y a que des survêtements et des affaires sales. Tiens, pour quand tu sortiras. Merci. Ah, eso es, la cámara, la necesito, por favor, démela. Con esto puedo acabar el cañón. Non, mais il est totalement fêlé, celui-là. Señor. Je suis incapable de tuer qui que ce soit. Et vous le savez très bien. Mais si, Trésor, joue pas à la princesse.
Bébé. Elles te vont ? Oui, parfaitement, merci. Qu'est-ce que tu fais dans un car seul au milieu nulle part le soir du réveillon ? Je suis allée enterrer ma sœur. Je suis mère célibataire et je... Et je ne voulais pas que mes filles voyagent juste avant les fêtes. Heureusement qu'elles ne sont pas venues. Ta sœur, elle avait un cancer ? Oui, ma sœur, maman... Moi. Cancer du sein. Voilà mes filles. Emma et Gracie. Elles sont très mignonnes. Oui. Tant que je cours, je suis tout ce qu'elles ont. Tiens. Juste au cas où, tu sais. Hmm? Ouais. Je comprends. Et... Quoi qu'il se passe, tu t'arrêtes pas. C'est ce que j'ai appris pendant les convois en Irak. Ok? Tu as dû en baver, je suis désolée pour toi. Bon. J'ai... J'ai une torche pour toi. Oh, c'est gentil. Je vais en avoir besoin. Et je t'ai apporté ça. Au cas où je rencontrerai des méchants en caoutchouc? Non, il y a... Oh, regarde, il y a une boussole, juste là. Est-ce que tu sais lire une boussole, Maud ? Oui, madame, j'ai fait les scouts. Ah oui, c'est pour toi. Annabelle. Voilà qui est galant. Vous êtes pratiquant, monsieur Yarbrough ? Seulement le vendredi soir, au moment de la mi-temps. On est vendredi soir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est gros bide, là. Il est près du vieux tracteur. J'ai des chances de passer près de lui sans être repéré. Ouais, mais s'ils t'attrapent, ils vont pas se gêner. Je l'ai dit à Sam, je vous l'ai dit à tous. Je vais pas y arriver. Je ne peux pas le faire, Maud. Je ne suis pas capable de tuer quelqu'un avec mes flèches. Ce n'est pas juste. C'est mal de tuer. Mais Annabelle, je suis maman. Il faut que je vive, j'ai deux filles. Ne me laisse pas mourir. Il l'a pas encore vu. Descends-le. Descends-le. Vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Arrête ! Descends-le ! Qu'est-ce qui se passe ? Ta princesse va laisser Maud crever.
Dis-lui de le tuer, dis-lui de le tuer tout de suite. Sam! Sam, il y en a deux qui arrivent derrière les voitures. Les chiens, ils vont réussir à entrer. Maud va y arriver. Vas-y, ma poule. Je t'assure que tu pouvais pas faire autrement. Ça va. Ça va aller. Ça va aller. Elle en a tué deux, ça c'est sûr. Je ne sais même pas si j'en ai eu un seul. Il en reste quatre. Peut-être cinq. Ouais. Et ce motard sur la route, c'était le premier que tu aies jamais... Il paraît que ça devient plus facile. Ouais. Chouette. Je sais pas ce qu'ils font. Chercher Maud. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Elle trace. Soit elles l'auront, soit elles l'auront pas. Eh ben, t'es pas une tendre. Oh, non! Désirée. Mon amour, je te demande pardon, je suis vraiment désolée.
On n'a qu'à la laisser dans la camionnette. Elle disait que tu la faisais rire. Jamais quand j'essayais. Ça faisait longtemps, vous deux ? 3 jours. Je crois que c'est encore pire que si on avait été juste des étrangers. On devait aller à Las Vegas. Elle, elle voulait être croupière et moi, je voulais être chanteur dans les mariages à l'église. C'est bizarre, je savais que j'allais tout faire foirer. Amigos, venid. Venid a ver. Mira. Ay. Lo siento mucho. C'est gentil. Mira. Ya he acabado el cañón. Con esto nos podemos defender. Mira, aquí está la cámara. Encore en train de faire joujou? Nos podemos defender. Ouais, mais c'est impressionnant. Quoi, tu le comprends? Para defendernos, sí. Je comprends, enfin, du moins je crois savoir ce qu'il fait. C'est un canon à patates, non? Je pense que c'est ça. Quelqu'un sait comment on dit patate en espagnol? Patata, 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 es una... aquí. Un canon à patates, c'est quoi? Je me rappelle que les gamins en faisaient dans mon immeuble. D'abord, il faut prendre une patate, on la met là-dedans, au bout, on met un produit inflammable et ça y est. Patate boum? Oui, si, boum, boum, boum. Inflammable, ça marcherait avec de l'essence? Non, on utilisait le... Si, 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 aquí. De la laque à cheveux, oui, de la laque, c'est si, ça. Si, si. Des flèches et un canon à patates, c'est dingue. Pourquoi pas un pistolet à eau? Non, non, tu peux mettre tout ce que tu veux à l'intérieur de ce machin. Tu peux y mettre des clous, des pierres, tout ce que tu veux. Où est-ce qu'on va trouver la laque à cheveux? On n'en aura pas besoin. On a de l'éther. Il n'y a rien de plus inflammable. Si, si, si. Aquí. Y luego... boum. Ok, c'était trop bas et trop à droite. Il faut viser plus haut si vous voulez avoir les motos. Voyez-toi. Je sais où il va, ce sale con. Oh.
Et allez hop! Ok, c'est bon. Ils sont tous morts. On a tenu, soldat. On a tenu.
Oh, oh! J'ai besoin de ta voiture. Les clés sont dedans. Combien y a-t-il de survivants? 7 quand je suis partie. 7. Meredith Cole? Elle est blessée, mais c'est une dure. Vous la connaissez? Je la poursuis depuis un moment. Au bout de cette route, tournez au sud. Il y a une petite ville à 10-20 km. On va aller chercher de l'aide. Ils seront tous morts quand les secours arriveront. Il va bientôt faire jour. Oui, madame. Comme vous voudrez, madame. Allons-y, on a pas mal de kilomètres à faire. Ils sont combien? 6, 8. Peut-être plus, j'en sais rien. Cole, qu'est-ce que tu en dis? Fuir. Tu es blessé, soldat. Tu ferais pas 200 mètres. Pas moi, vous autres. J'ai besoin de la mitraillette et de plusieurs molotovs. Non, on ne va... Fichez le camp. C'est ça, pour qu'ils nous traquent tous et qu'ils nous tuent un par un. Et toi, Jerry? Je dis qu'on reste ici. Duke? Senior? Annabelle? Ouais, je suis d'accord pour en tuer 2 ou 3, mais après, il faut que les garçons se débrouillent pour tuer les autres. Allons-y. On se prépare. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que disaient les Irakiens. Quand ils conduisaient une route dangereuse, ça veut dire qu'Allah soit loué si je me sors de ce merdier en un seul morceau. Un de ces jours, Sam. Tu t'appelles? Tu sais, ton nombre. Ah, si. Ramón Amancio Eladio Vargas. J'ai pris ça sur les cadavres de ces pourritures. Señorita! Señorita, venga! Vous avez fait des flèches? Flechas. On y va!
sale con! Duke! J'y vais, chef. Fallait pas revenir. Je suis arrivée trop tard. Hey, Sam. Sam, ça va? Ça a effleuré ma tête. D'ici, venez. Dame mi chaqueta. Salut, sergent. Et Monsieur Vargas est en traumatologie. Ils sont optimistes, donc... Vargas. Vargas est un joli nom. Oui. Écoute, je suis désolée. Le sergent ne m'avait pas dit qu'il te poursuivait. Ça fait rien. C'est sans doute parce que tu l'as menacé avec le couteau. Oui. Ces hôpitaux, ça me donne le cafard. Elle est là-bas. Veuillez attendre ici. Les filles sont là. N'oublie pas. Ne jamais céder. Toi non plus. Merci. Au revoir. Oh, mes chéris. Venez, les filles.
Donnez-moi 2 minutes, sergent. C'est la fin de vos aventures. J'ai parlé au docteur. Ils veulent vous garder. Mais je crois que vous êtes suffisamment en forme pour voyager. Merci, sergent. J'en ai marre de la nourriture des hôpitaux. Vous serez menotté jusqu'à Fort Bliss où vous serez officiellement accusé de désertion. Le caporal, cette femme dont ont parlé les civils, ce n'est pas celle que je connaissais. Alors vous leur avez dit ce qu'elle avait fait? La raison de votre désertion ne me regarde pas. Peut-être que le capitaine l'avait bien mérité. Mais ce n'est pas à moi de décider. Habillez-vous, caporal. Il vous reste environ 20 minutes avant que la voiture de Bliss n'arrive. Archie. Bon Noël et un de ces jours. Alors, où est-ce qu'on va? Vos ceintures? Maud nous attend. Ne jamais s'y... Alhamdoulilah.